non à l'UNESCO. L'UNESCO ne devait pas inviter un tel homme, ne devait pas dérouler un tapis rouge à Kagame, qui est un grand criminel. C'est pour cela que pour moi, vous avez tous reçu des mémos et vous avez reçu aussi, je vous informe déjà, que le mémo, le grand mémo que vous avez tous signé est déjà déposé à l'UNESCO pour leur dire que ce n'est pas normal qu'une institution des Nations Unies accueille quelqu'un qui est en train de bafouer les droits de l'homme. Nous sommes venus pour dire non à la violation grave des droits de l'homme. Moi, je n'ai pas de discours. Mais par contre, je dois vous informer que le mémo que je viens de déposer, j'ai mis un certain nombre d'associations et de partis politiques qui ont répondu Mais il peut se faire, puisque on a travaillé beaucoup, il peut se faire que l'une ou l'autre association ne soit pas dessus. Et je vais juste vous lire les associations qui ont signé le mémo. Et puis, s'il se trouve que vous n'êtes pas dessus, je vais juste vous demander de me communiquer pour qu'on complète la liste. Mais nous avons déjà une page d'associations et de partis politiques de l'opposition qui m'ont envoyé leur souhait de figurer sur le mémo que nous avons préparé et qui a été pratiquement auquel vous avez tous contribué. Après, juste ça, parce que bon, on n'a pas beaucoup de temps, il nous reste à peine 30 minutes pour terminer, je donnerai quelques minutes à certaines personnes pour vous adresser une salutation. Et ce sera pratiquement tout parce qu'on doit terminer à 15h. Et je vais vous dire que je vous remercie de votre sagesse habituelle. Évidemment, nous avons évidemment un homme qu'on appelle, cet homme qu'on appelle un criminel de tous les temps, le plus grand criminel, un président, le président encore en exercice, mais qui est le plus grand criminel de tous les temps. C'est le Hitler que nous avons, mais il bafoue les droits de l'homme, les droits des Rwandais, Hutu, Tutsi et toi. Bon, je vais donc vous donner juste la liste des gens que j'ai pu noter sur le mémo pour que vous vérifiez si vous êtes dessus